Mark Colborne a été condamné cet automne pour avoir projeté d'assassiner le prince Charles et William afin de faire couronner le prince Harry. L'homme vient d'être interné. La fin du cauchemar? Un homme de 37 ans complexé par ses cheveux roux a mis en place un scénario machiavélique pour que le prince Harry puisse accéder au trône plus tôt que prévu. Mark Colborne a comparu devant un tribunal londonien pour avoir projeté d'assassiner le prince Charles et le prince William afin de laisser la place libre au prince Harry, roux. Je veux des représailles massives, un attentat terroriste de masse qui attirera l'attention sur notre souffrance, pas seulement la mienne, mais celle de mes frères à travers le monde, avait noté Mark Colborne dans un cahier retrouvé à son domicile en juin dernier. Le juge John Bevan parlait en novembre dernier une affaire très bizarre et un homme très bizarre. La fin de l'histoire semble être arrivée puisque Mark Colborne a été interné pour troubles psychiatriques, et pour une durée indéterminée, à la demande de la justice anglaise. Vraisemblablement, l'homme était bien prêt à aller jusqu'au bout de ses envies. L'enquête a révélé qu'il avait recherché sur le net un moyen de fabriquer une bombe artisanale mais qu'il s'était également procuré des produits chimiques très dangereux pour cela. Désormais interné, la menace semble éloignée.